です。Hello, how are you? Mir geht es prima. Do you speak English? Because it's a lot easier. Nein, leider nicht. You were an eyewitness, right? Yeah. Well, let's move on. This is how it works. I'm going to ask you a few questions. You will be giving answers to me, and while you're answering me, I'm going to fill in your answers, okay? It's good. Do you know which sex the killer was and the killer's age or length? Sie ist weiblich und ist ungefähr 30 Jahre alt und ungefähr 170 cm. Okay. Do you know what she was wearing during the crime? Sie trägt einen grünen Mantel und ein schwarzes T-Shirt und auch Cowboy-Schuhe. And did she wear something on her head? Sie trägt einen Balaclava. Did you see her hair? Nein, das war nicht sichtbar. So you didn't see the length of her hair either? Nein, leider nicht. Did you see something on her face? Nein, das war auch nicht sichtbar. And you didn't hear her talk? Ja, sie spricht besonder hoch. Well, that's it for now. You can go. Dag. Adios. Hallo meneer Snoere, ik heb net gehoord over een moord op een leerling op een internationale school. Mag ik u hier een paar vragen stellen? Yes, of course. Kunt u ons meer vertellen over de moord op de leerling? Yes, we found the body yesterday. It was a body of a student. She was found in the broom closet. Net met een ooggetuige gesproken. Zou u zo vriendelijk willen zijn de pers te vertellen wat de signalementen zijn? Yes, it was a woman from around the age of 30, and she we couldn't see her hair, but she spoke very high, and she wore a green jacket and a black t-shirt. En black trousers en cowboy boots. Dank u wel. Beste kijkers, heeft u een idee wie deze dader kan zijn? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om te bellen naar de criminele inlichtingseenheid of meld misdaad anoniem? Tim Snoeren. Miss Lamstaart. Hallo, Mrs. Lamstaart. Would you like something to drink? No, thanks. I've heard you gave the lesson before the murder, and I found some tracks made by cowboy boots similar to yours. So you killed Lauren because she hated you more than everything. Why would you think that? Or did you kill her because she knew something? Did you kill Lauren because she knew something about a secret love? Go now. Beste kijkers, in de moordzaak op de internationale school is al één verdachte verhoord. We gaan nu verder met de tweede verdachte. Hi there, take a seat. Hello. Thank you.
Are you thirsty? No, not really. I have a question for you. Yes. Your keys were found on the crime scene. Can you explain that? No, I have an alibi. I was talking with Luke. Okay. You can go already. Oh, it's over. Thank you. Verdachte 2 zegt dat hij een alibi heeft. Dat gaan we nu controleren. Your name is Luke, right? Yes, my name is Luke. I heard from Liam you were talking to him at the time of the murder. Yes, that's right. Fine, now he has an alibi. Okay. Mrs. Lomstard, some new evidence has come up which indicates you are the killer. We found your fingerprints on Liam's keys. No! It's not fair, okay? I did it, but it's not fair! Ik was in gesprek met meneer Slitter. Het was een serieus gesprek. Een gesprek over het werk. Meneer Slitter geeft 2 verschillende vakken en is roostermaker. Dus ik vertelde hem dat ik hem daarom erg knap vond. Op een regenachtige dag kwam ze naar me toe. Lauren van Driemelen. Voor de volgende toets krijg ik een 10. Waarom? Vroeg ik verbaasd over de manier waarop ze tegen me praten. Anders laat ik het filmpje van meneer Slitter en u aan de hele school zien. Ze pakte haar iPhone'tje en liet me een filmpje zien. De manier waarop dat irritante rotkind tegen me praatte en me chanteerde, maakte me zo kwaad. Ze keek nog even met die arrogante blik van haar achterom. Tirer mon isolé, maman comment
te dire, je suis désolé. Pensez à ma clémenté. Et moi, comme te dis, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par m'accepter. Et j'ai dû te renvoyer. Parler. Pas sympa, je dis c'est parler. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû te renvoyer. Paris c'est Alcatraz, Martes Amandes et tous ces tas de princes. Leur cœur est mort et fin comme c'est galet. À les entendre on croirait que c'est qu'il fallait. Moi je ma famille mes gosses. Pour ça pour moi j'emploierai bien toutes mes forces. Et j'ai dû te dire pas pas un mot je dis c'est pas papa maman les gars désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû te dire pas pas un mot je dis c'est pas papa, maman, les gars, désolé. On s'en prend une envie, désolé. En face, la race nous met des baffes aussi. Désolé, au port de l'ordre, et français. Vous inquiétez pas, mon père m'a bien défoncé. Désolé, mes frères, mais si je m'arrache, vous allez pas m'en prendre. Et j'ai dû t'entendre, pas vrai. Pas sympa, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer pas un peu, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Désolé les gars, pour ça. Ah, t'étais où? Je suis avec toi, je dépose. And did she wear something on her head? Sie trägt einen Balaclava. Did you see her hair? Yeah. Did you? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔.